Bonjour, je suis sûre que beaucoup d'entre vous se demandent qu'est-ce qu'un cluster agricole ou même comment ça marche ou encore qu'est-ce qu'on y gagne en intégrant. Dans cette vidéo, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions. Alors reste bien attentif et commençons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cluster agricole? C'est un réseau d'acteurs qui naît d'un contrat entre plusieurs personnes d'une même filière. Ils décident de s'associer pour un objectif commun dans le but de voir leur activité fleurir. Il est caractérisé par plusieurs points. Les membres doivent avoir une vision commune, un ou plusieurs intérêts en commun et comprendre ensemble l'objectif à atteindre. La confiance est également un élément primordial au renforcement des relations entre les acteurs. Pour créer cette confiance, il est important d'instaurer un dialogue régulier entre les acteurs, par exemple en organisant des réunions fréquentes. Le tout dans un cadre d'apprentissage où la dynamique se veut flexible et itérative. Il y a différentes membres dans un cluster. Les premiers sont des fournisseurs. Ils ont pour but de fournir les semences, engrais et différents produits. Les deuxièmes sont des producteurs et productrices. Leur rôle également est d'assurer la production qui servira de base pour alimenter toute la chaîne de valeur. Les troisièmes sont des transformateurs et transformatrices. Eux, ils sont chargés de transformer la matière première en produits destinés à la vente. Pour finir, ces produits seront vendus par des commerçants et commerçantes aux différents consommateurs. Mais au final, qu'est-ce que vous y gagnez, me direz-vous? En réalité, appartenir à un cluster te permet de bénéficier d'un accompagnement et d'un coaching de la part des autres membres. Il deviendra plus facile d'accéder à des différents biens et services comme, par exemple, des intrants, des machines, du financement, etc. Il permet également à ses membres de mieux s'organiser et d'accéder au marché plus facilement. Assez de théorie, place à la pratique. Nous avons interrogé divers acteurs de clusters de la filière riz que nous avons rencontré à Natengu, à l'unité de transformation de Surubayaye, lors d'une rencontre entre différents acteurs de la filière. Le cluster agricole, pour moi, c'est des modèles d'organisation qui permettent aux acteurs d'une entreprise agricole donnée de tisser des relations entre eux afin de permettre aux plus forts de tirer les plus faibles, les plus forts qu'on pourrait appeler agrégateurs, et ceux qui, des petits producteurs qu'on pourrait appeler agrégés, et qui, à travers ces nœuds de relations d'affaires, y trouvent leur compte dans une logique orientée vers la maîtrise du marché. Nous sommes un cluster qui regroupe trois familles d'acteurs. Il y a les producteurs, le transformateur qui est l'entreprise elle-même, et les commerçants. Autour de ces trois familles d'acteurs, il y a les systèmes financiers décentralisés qui nous viennent en appui pour le financement, soit au niveau des producteurs, au niveau de la transformation et au niveau également de la commercialisation. Je suis producteur de riz dans Koudemou. Nous sommes dans le Bas-Fond et ici on produit le riz. Et après, nous vendons à Surubayaye. Je suis transformatrice de riz local. Vous êtes au centre de la transformation, spécialement la salle, c'est la salle du tri. Je suis la directrice commerciale du centre. Ici, on est dans la boutique Seproma. Cette boutique sert à
la promotion et à la commercialisation des produits agricoles dont nous avons le riz local sur. Ici, c'est un groupement. Et quand le groupement finit, il faut voir ça à Surubayaye. Maintenant, qui livre ça aux commerçants. Avant, quand on transforme, on amène ça au marché pour vendre. Parfois 5 kilos, 10 kilos, on n'a pas la chance de transformer et vendre le même jour. Ça arrive souvent. Et on ramène. Maintenant, quand on transforme, le produit est déjà acheté avant qu'on le transforme. Et alors qu'avant, ce n'était pas ce cas. Il faut transformer, aller au marché. Et quand on n'a pas la chance, ça ne finit pas. Nous, les commerçantes, on va maintenant vers les transformatrices qui nous livrent maintenant le produit. Et à notre tour, on livre maintenant le produit fini sur le marché. D'accord. Voilà le processus. On a plusieurs centres. Il y a un centre qui se trouve à Waké, un centre à Kondé, un centre à Tangita, un à Nati et un à Waké. Et à part ça, nous avons aussi des boutiques. On a des grossistes et des détaillants. Alors, chez les grossistes, on essaie de faire une réduction par rapport au prix. Par contre, chez les détaillants, il y a aussi un prix qui est plus. Donc, les défis au départ, les produits n'étaient pas accessibles, n'étaient pas perméables à nos différents conseils, à nos différents appuis. Mais aujourd'hui, ils ont compris que notre appui technique comme financier a amélioré le rendement de leur production. En 2014-2015, le rendement à l'état tournait autour de 2,5 tonnes. Mais aujourd'hui, nous sommes passés de 2,5 tonnes à 3,5 tonnes, voire 4 tonnes à l'état. Et ça leur permet également d'avoir accès au marché. Avec le cluster, on arrive à avoir des bénéfices pour encadrer nos enfants. La scolarité, quand tu arrives à faire une activité qui peut accompagner l'enfant déjà, c'est très important. Et avant, on vendait le riz en bol et les bonnes dames nous taquinaient. Et maintenant, avec ce cluster-là, maintenant nous arrivons à bénéficier de l'argent et les équipements. Et c'est grâce du cluster. On est dans un cluster, ça nous aide à avoir des partenaires. Déjà, tu as des contrats avec des producteurs, contrats avec des acheteurs, et ça nous aide aussi à avoir des partenaires qui vont vous appuyer. Alors que seul, tu ne peux pas avoir ça. Et dans un groupe qui n'est pas reconnu aussi, là, tu n'auras pas la chance d'obtenir ce que ceux qui sont dans le cluster obtiennent. Ces producteurs s'organisent de façon à produire le riz. Et nous leur venons en appui sur le plan technique et sur le plan financier. Sur le plan technique, nous les accompagnons pour la formation sur le respect des standards techniques de production du riz, c'est-à-dire notre matière première. Nous leur mettons en place également des intrants. Et quand il n'y a pas des intrants, nous avons les semences, et les engrais et si possible les herbicides. Et en plus de cela, nous leur apportons notre soutien financier en leur permettant d'avoir accès aux finances au niveau des systèmes financiers décentralisés. Avec la production du riz, ça peut faire le bien-être d'une personne tout entière, surtout les femmes, surtout l'autonomisation des femmes. Parce que quand chaque fois la femme dépend du mari, c'est le mari qui va tout assumer. Ça ne marche pas dans le foyer, il y a des tensions. Il faut que la femme participe aussi et aide le mari. Si le mari va tout faire, il va mourir précocement. Il faut l'aider aussi dans les dépenses, dans les activités. Donc, avec le temps, les dames ont vu que vraiment, que c'est un travail libérateur. Les hommes aussi ont compris que ça les aide dans le foyer. Et surtout de notre côté, là, ça a limité un peu le trafic des jeunes filles vers le Nigeria. Au niveau des communes, il y a beaucoup d'avantages à accompagner les clusters parce qu'au moins c'est des modèles d'organisation beaucoup plus structurés où les acteurs ont un dispositif quand même de suivi où on peut voir la traçabilité des produits de point de vue quantité
et éventuellement en termes de chiffre d'affaires. Et quand on parle de la promotion de l'économie locale, il faut voir aussi d'autres enjeux à ce niveau. C'est beaucoup de femmes qui ont accès à un emploi leur permettant de prendre en charge leurs enfants et un certain nombre de leurs besoins. De l'autre côté, il faut voir tous ceux qui sont affiliés, producteurs, commerçants, des créations d'emplois pour des jeunes qui travaillent au niveau de ce cluster. Donc la commune a intérêt à accompagner cette dynamique de développement des clusters. Il y a la DDAP qui est là pour des appuis. Et les ATDA aussi sont là. On bénéficie beaucoup de choses. Quand je prends mes producteurs ont des subventions de filets, de bâches, beaucoup de choses, même des conseils, d'autres formations, des ATDA. Au niveau de certaines communes, il y a des accompagnements à travers le FADEC Agriculture. Donc, je pense que c'est des as quand même qui pourraient utiliser pour appuyer ces clusters. Il y a CEPI qui nous aide sur les labours et les semences, les herbicides. Et après, il nous aidait même à faire les prêts au niveau des microfinances. Et après, on leur remboursait le riz. Il y a GEM qui est là, il nous appuie en formation et en toutes choses.